Ah, le Père Noël, le Obélix du mois de décembre. Alors si tu ne connais pas le Père Noël, je te conseille vivement de te jeter dans un puits. Et pour les dates, je vais vous rappeler quelques petites choses. Alors le Père Noël, c'est donc un gros monsieur avec un gros ventre et une grosse barbe, attention. Il a un bonnet et il est toujours habillé en rouge et blanc. Et là, vous êtes sans doute en train de vous dire, mais pourquoi il nous dit tout ça? Et ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que je recherche ce connard. Parce que quand j'étais petit, je lui ai commandé des amis. Et les âges m'apportaient. Donc dans cette vidéo, je vais vous prouver que c'est un connard. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Déjà, le Père Noël, c'est un branleur. Le mec, il travaille 24 heures par an. Et attends, 24 heures, qu'est-ce que je dis? Le temps de se lever, de prendre son petit déj et de se brosser les dents, on arrive facilement à 23 heures. Puis quand t'es petit, c'est l'un des hommes les plus importants de la planète Terre. Et comment il vient te voir? Il pourrait venir dans une voiture, à vélo, en hélicoptère, en sous-marin, mais non! Il vient dans un traîneau, tiré par des rennes, qui volent! Mais comment tu veux qu'elles volent? Elles ont pas d'ailes! Sauf si on fait appel au pouvoir magique de la drogue. Puis sérieux, le nom de ces rennes, il les a trouvées où? Dans un paquet de Nail Pops? T'en as danseur, fury, fringant, comète, cupidon, éclair et tonnerre. En fait non, je crois que je sais comment il les a trouvées. Ok, donc toi, tu seras tonnerre. Bon, après, c'est vrai, faut pas oublier que le Père Noël, il est là pour t'apporter des cadeaux. Mais il les trouve où, tous ces cadeaux? Je suis sûr, tous les week-ends, il va chez les gens, il fait comme ça. Bonjour. Faut que tu me passes du fric pour que j'achète un cadeau à ton gosse. J'ai pas de gosse, moi. Ah, ok, tu veux prendre comme ça, tu veux pas m'aider, rien, d'accord. Hein, c'est pour ton enfant que je fais ça. Alors, si tu veux pas, d'accord. Bon, allez, on dit go, il a rien, ce con. Mais avant qu'il aille demander du fric comme un con chez les gens, il doit quand même savoir ce qu'il doit acheter. Et pour lui faire parvenir le petit message du cadeau que tu veux, tu vas lui envoyer une carte postale. Putain, le mec il se balade dans un traîneau qui vole et il est même pas foutu de se créer une adresse mail. Mais c'est pas compliqué à faire, tu fous le gros con de Père Noël qui se fout de ta gueule, va te faire foutre, point nique ta vie, et c'est tout. Oh 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 les enfants, depuis tout à l'heure votre jeune ami n'arrête pas de m'insulter d'alcoolou, de branleur et de gros con. Je pense qu'il est maintenant temps que je commence à me défendre. Alors déjà il commence en me comparant à Obélix. J'aimerais bien lui passer un miroir, mais je veux pas être témoin d'un suicide. Après, vous allez dire que vous êtes d'accord avec lui, que je suis un méchant Père Noël parce que je lui ai pas porté ses amis quand il était petit. Mais faut voir la lettre qu'il m'a envoyée. Je suis désolé, j'appelle pas ça une lettre, j'appelle ça un torchon. Même mes petits chinois, mes petits lutins m'ont demandé si je leur faisais pas une farce. En décembre. Un lutin de décembre. Je vais pas vous mentir. Ce truc a visité 3 fois l'arrêt de mon cul depuis qu'il est arrivé chez moi. Je lui dis que je ne bosse que 24 heures par an. Ça fait 159 ans que je fais ce métier. Ça fait 11 fois ton âge. Et 159 fois ton âge mental. Puis c'est pas moi qui irai chez Léopold Lompo. Oui, c'est moi du travail. Parce que moi mon boulot je l'ai, c'est d'offrir des cadeaux aux gens. Et toi ton boulot c'est quoi? C'est de me casser les couilles. Alors maintenant tu fermes ta gueule et je vais m'écouter. Ouais vas-y continue, vas-y essaie de te défendre. Écoute bah en fait j'en ai pas encore fini avec toi. Donc pour l'instant tu fermes ta boîte à camembert. Et si t'es sage à la fin de la vidéo, t'auras une grosse baffe dans ta gueule. Donc ensuite tu critiques mon mode de déplacement. Excuse-moi, c'est vrai que pour aller voir 7 milliards de personnes, c'est plus facile d'y aller à vélo que d'y aller dans un traîneau qui vole à 400 km/h, hein, excuse-moi, c'est vrai. Putain, mais dans l'Empire des cons, c'est toi l'empereur, c'est pas possible! Pour continuer, tu te moques du nom de mes reines et tu dis carrément que je les ai trouvées dans un paquet de céréales. Excuse-moi, mon garçon, mais faut que tu vas ta gueule. On t'a trouvé dans un Kinder Surprise périmé depuis 4 ans, t'as monté le cul à la place de la tête et c'est pour ça que t'arrêtes pas de dire de la merde. Je te proteste! Tu te demandes où je trouve tous ces cadeaux? Bah à ton avis je demande à mes petits chinois, à mes petits lutins de les fabriquer. Et attention, c'est pas de l'esclavage moderne. Je vais te raconter comment je les ai rencontrés. J'étais dans mon traîneau, je baladais comme étaient danseurs. Quand tout à coup, au loin, je vois un arc-en-ciel. Au pied de cet arc-en-ciel, je vois un truc vert qui bouge dans tous les sens. Donc là, je sors mes jumelles. Un lutin. Avec une pancarte. Vous savez ce qu'il y a marqué sur cette pancarte? Pas touche à mon or. J'ai arrêté mes deux reines d'un coup et là je leur fais allez en bas. Elles ont pas voulu. J'ai sorti ma bonne secrète. Allez en bas! Y'a un bouffé! Oh, je contrôlais plus rien, j'avais envie de leur dire! Hey, arrêtez, arrêtez, c'est pas un striptease de François Hollande! Finalement, je me pose délicatement. Et là, le lutin, elle arrive, il me saute dessus en criant pas touche à mon arme! Il me fout une droite, je lui fais une prise de judo, je suis collé à gueule contre la banquise! Et il fait arrête, c'est froid! C'est normal, on n'a pas le nard! Bon, finalement, on s'est réconciliés, il m'a présenté ses amis, maintenant on travaille tous dans une bonne ambiance, c'est super! Bon l'or, je l'ai gardé pour moi. Et pour finir, tu te plains car je n'ai pas d'adresse mail chez qui t'oblige à écrire pour recevoir tes cadeaux. Sur ça, j'ai juste envie de te dire que tu me pètes un peu les boules de Noël. Quoi? J'arrive. Écoute mon vieux, je suis désolé de toutes les bêtises que j'ai dites sur toi. Oh,
oh, oh, mon enfant, mais ne t'inquiète pas, on a tous le droit de faire des erreurs dans sa vie. C'est un petit peu bête, mais bon. Ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Hey, joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël, bitch! Et encore une fois, joyeux Noël à vous, les abonnés! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!